Il y a des analyses qui sont faites enfin, il y a quelques années de ça, où il y avait des zones où il y a des analyses en fait chez des particuliers pour savoir s'il y a des sols qui étaient plus empoisonnés que d'autres. Et au final, ben, cultiver oui, cultiver non, vous savez, Chlordécone, c'est un problème qui est présent en Guadeloupe et si on se fige là-dessus, ben, on va peut-être pas avancer, quoi. Ben, c'est-à-dire, on ne peut pas connaître toutes ces zones-là. Mais ni certains qui vraiment, quand ils mettent bon produit là-dedans, qu'ils vraiment impactent. Bah, on est en plein dedans, je crois qu'il n'y a qu'à Bastia, tout le côté Bastia en fait, le côté où on plante beaucoup, et malheureusement c'est nous qui avons été touchés. INRAE a mené une étude en 2017 avec l'appui du CIRAD notamment pour essayer justement de cartographier cette pollution des sols en Guadeloupe. Et on a évalué la zone à risque comme étant la zone où il y a eu de la culture de bananes pendant la période d'autorisation d'application de la chlordécone qui correspond à ce qu'on appelle le croissant bananier, c'est-à-dire tout le sud Basse-Terre qui va, on va dire, de vieux habitants et qui remonte jusqu'à Petit Bourg, Goyave. Les rivières qui sont dans le sud et qui traversent les zones où de la banane a été cultivée pendant la période d'application de la chlordécone sont contaminées aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on a une carte des zones à risque qui est complétée, on va dire, quasiment en temps réel avec les mesures qui sont effectuées par la DAF, par le programme JAFA aussi, et qui sont mises à jour et disponibles sur le site, par exemple, d'information géographique de la Guadeloupe qui s'appelle Carugéo.